Wow. Bonjour les frères et sœurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur News Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour activer la cloche. Tout se passe au-dessus de ces vidéos. Et quand vous cliquez sur News Reborn, vous avez accès à notre page d'accueil où vous trouverez trois autres chaînes là-bas. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et soyez prêts. Avant d'aller plus loin de cette vidéo, nous allons vous prévenir que si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup peur des choses bizarres, comme même les fantômes ou encore les démons, regardez la vidéo suivante. Mais si vous êtes dû d'esprit, vous êtes fort courageux, soyez prêt à voir ce que nous allons vous montrer. Là, nous allons prévenir tout le monde. Vous ne nous direz pas qu'on vous a pas dit, parce que ce que nous allons voir, c'est plus chaud que chaud. Dans le témoin puissant précédent, nous avons vu deux joueurs de football raconter des histoires. En fait, ça paraît comme des histoires. Or, ce sont des choses qu'ils ont vécues. Ils parlaient de quoi? Tous les abonnés qui ont regardé cette vidéo, ils savent de ce de quoi il s'agissait. Il s'agissait de quoi ils ont parlé. Ils ont parlé tout simplement des rituels. Des rituels que leurs collègues font et que eux-mêmes ont fait juste pour avoir du succès. Il y a un qui a dit qu'il a couché avec sa soeur, qu'il y a certains mecs qui couchent avec les mères, et ça fait partie du rituel. À minuit, ils doivent se rendre dans les cimetières pour faire les choses. Ils boivent même du vin rouge sur les tombes des gens là-bas. Et chaque footballeur, chacun d'eux avait son marabout, ou même son féticheur. Et ce sont des choses qui sont réelles. Ces genres de trucs sont en train de se développer dans notre société. De plus en plus, on commence à voir ça. Et ce qui se passe actuellement, c'est que ça s'est transformé en quelque chose de comment vous le dire, quel est le mot qui pourrait bien exprimer ça. Et c'est transformé en quelque chose de moderne. La sorcellerie est devenue moderne maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Et les gens trouvent que c'est une bonne affaire. Et ils aimeraient même partager cela avec les gens. Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici, c'est un rituel. Un rituel qui a eu lieu dans un endroit. Oh non, vous serez même surpris. Suivez-nous, allons voir les choses, mes frères et sœurs, allons voir les choses. Mes frères et sœurs, allons voir les choses. Regardez ça. Waouh! Ça fait peur le monde. Même dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du cinéma, du divertissement, il y a le satanisme. Parce que le serpent qui est présent là n'est pas là pour rien. Sans doute vous avez déjà vu quelque part dans ce clip, mais vous n'avez pas fait attention pour chercher à savoir qui est ce serpent en réalité. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un fait un clip et il met un serpent, ce serpent est censé représenter qui pour vous? C'est qui le serpent? C'est quelque chose qui est entré dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose. C'est quel animal? C'est quel reptile? Mes frères et sœurs, pas se mentir. C'est le serpent. Et dans le satanisme, le serpent représente le diable. Regardez. Et les gens font des rituels. Regardez ici, carrément un rituel a lieu sur nos yeux. Juste un rituel. Comme vous pouvez le voir, ça peut paraître bizarre, mais ce sont des choses que les gens font en secret pour avoir du succès, pour avoir de l'argent. Et c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et ces choses-là sont visibles au grand jour. Ça, c'est ce qui se passe dans la chambre secrète. Comme vous le voyez, elle a allumé des bougies, elle est devant un livre. Et elle se prépare à faire des incantations, c'est-à-dire à répéter ce qu'elle va voir dans le livre. Ici, ça se passe au grand jour, c'est des livres modernes. La sorcellerie à ciel ouvert. Dans les clips, on voit les scènes de sorcellerie. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Les gens pensent que c'est un jeu, que c'est juste pour blaguer. Et ça, c'est réel. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons vous montrer va même vous étonner. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir ici, pendant que tout le monde dort, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez ça. Voyez-vous quelque chose? On voit des gens en noir.
Et ces gens qui sont en noir là vont aller se mettre devant une statue. Déjà, il y a un truc qui est en train de se passer. Ils sont de nulle part. Ils sont bien noirs, tout noir. Ça veut dire que leur visage est bien caché. Personne ne peut savoir ce qu'ils sont en train de faire ou ils ne peuvent pas faire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a tout simplement une statue, un monument. Et on voit une personne en blanc qui vient se mettre à genoux ici. Et vous allez voir ce qui va se passer. Cette personne-là sera sacrifiée sous vos yeux. Et ça, c'était filmé par une caméra de, c'est une caméra de quelqu'un qui était de passage, qui a vu ça, qui a filmé. Poignarder la personne. Face à ça, il ne pouvait pas s'arrêter, il était obligé de fuir, de courir. Parce que si on l'attrape, il risque de mourir. Donc il préfère s'enfuir, prendre la fuite. Et c'est bien réel. C'est même plus réel que réel. Tout ce que nous avons montré de vous révéler ici, vous montrer ici, ce sont les choses qui existent vraiment. Ça existe bel et bien. Et ça se passe en plein jour. Même dans l'industrie de la musique, du cinéma, partout. Ici, mais nous allons voir un témoignage même d'une femme même qui est dans l'industrie du cinéma. Elle va même nous expliquer des trucs, comment elle a participé au rituel. Et c'est jusqu'à la fin où vous allez tout voir. Ici, vous allez tout voir. Mes frères et sœurs, ce que vous venez de voir, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Ça se passe en réalité. Ça se passe vraiment. Ça se passe vraiment, 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 mes frères et sœurs. Ça a lieu. Et regardez, la sorcellerie modernisée. La sorcellerie modernisée, le satanisme à plein jour, dans les clips. Dans les clips, le satanisme en plein jour. Et les gens regardent ça, ça ne leur dit rien. On voit une personne qui est là. Peut-être qu'elle était chantée dans le clip. Des serpents se lèvent pour venir lui donner un verre à boire et elle boit. C'est comme le rituel. C'est comme un pacte avec les démons. Et de chaque côté, vous voyez les serpents. Tout ça, c'est les serpents. Ce sont des serpents. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Ce sont des serpents. Les gens sont en train de mourir. On ne sait pas pourquoi les gens meurent tout. Les gens sont dans les bains noirs. Et les trucs se produisent sous vos yeux. Sous vos yeux. C'est-à-dire, sous vos yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Regardez. Qu'on ne vous trompe plus aujourd'hui. Si vous ne voyez pas bien, ça, c'est un serpent, un cobra, non? C'est un cobra. Et il est là. Il y a même une bougie. Et deux bougies, parce que pas qu'une seule bougie. Ça dit, en regardant les clips, déjà, vous savez où vous êtes. Vous savez qu'il y a un rituel qui a le même lieu, même là. Un rituel. Et la main cornue. Déjà pour présenter le corne du diable, quoi. Ce sont des choses qui ont lieu là. Une a tapé le serpent. L'autre est là, habillé en blanc, mais avec la main cornue qui salue le blanc. Et la troisième personne est ici. Elle ressemble à un monstre. Et ce monstre est plus laid que laid. Ces trois personnes que vous êtes en train de voir ici, même plus les autres, toutes les autres personnes que vous allez voir, ça, ce sont les âmes. Des âmes, en même temps des esprits, en même temps des démons. On dit qu'une personne peut être possédée par plusieurs esprits ou par plusieurs démons. L'un peut être le serpent, et quand c'est le serpent qui tient le dessus sur le corps de la personne, sur ou encore sur l'esprit de cette personne va se manifester et va se comporter d'une certaine façon. Et c'est ce que nous avons vu ici. Vous voyez? Et quand on va plus loin, la personne qui est en blanc là, elle est censée représenter cette femme-là même qui est là. Et ça,
Ça représente la mort, le vrai visage des gens qui sont dans l'industrie de la musique, qui ont décidé de faire du satanisme, la sorcellerie pour envoûter les gens. Et c'est pas dans la musique seulement, dans le cinéma, dans le football, et des trucs, et des choses, vous voyez chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Les choses ne sont plus cachées. Chaque jour, on le voit. Ça, c'est le vœu. Un signe a l'œil qui voit tout. Un œil caché, un œil ouvert. Les gens veulent idolâtrer les gens. On dit, oh, c'est mon idole. Oh, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu nous met en garde, nous garde contre les idoles. Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu dit que le Seigneur a dit que les sorciers, les magiciens, les occultistes, tous ces gens, les gens-là, même les idolâtres, ils n'auront pas au paradis. S'ils n'auront pas au paradis, on va aller où? Est-ce que tu as envie d'aller à l'enfer ou d'un endroit autre que le paradis? Fais attention. Regarde ce que les gens font. Ils sont là. Et ça, c'est tiré d'un film. Hein. En fait, ce qu'ils font dans le circuit, la cachette, maintenant, ils les mettent dans le film. Juste pour nous montrer que, effectivement, c'est ce qu'ils ont choisi. Et eux, ils ont choisi d'aller en enfer, quoi. Et regardez vous-même. Voilà. Ils s'habillent en noir. Lors de ces trucs, on tue les gens. On sacrifie les bébés. On sacrifie les enfants. Juste pour avoir la gloire. Dans un spectacle, dans un concert, les gens peuvent sacrifier. On peut tuer quelqu'un. Juste pour qu'un album, un album puisse marcher, une belle fille puisse marcher. Les gens peuvent tuer quelqu'un. Il y a un chanteur qu'on appelle MHD. Il a dit que vous n'imaginez pas, vous ne pouvez même pas vous imaginer l'origine du succès de quelqu'un. Quelqu'un qui commence à avoir du succès rapide, boum, boum, succès rapide, boum, boum, ça ne s'arrête pas. Et tout à coup, cette personne vous dit officiellement que, franchement, elle n'a plus pu arrêter de chanter sur son dernier album. Vous pensez que c'est pour rien? C'est un truc qui traumatise les gens. Et c'est pas de la blague, c'est bien réel. Parce que comme vous voyez, les gens se font tuer sous vos yeux. C'est pas du tout une bonne affaire. Cette personne qui est au milieu là au centre, a été sacrifiée. Par des hommes en noir encore. Mes frères et sœurs, qui peut faire tout pareil? Ce sont des gens qui sont possédés par des démons. Et il y a des gens possédés parmi nous. Quand quelqu'un est sorcier, il est possédé par un démon. Et l'esprit qui est en lui, c'est un esprit mauvais et méchant. Si on lui demande de tuer, il va tuer. Que vous soyez son père ou sa mère ou son frère ou quoi, il va le faire. Juste pour avoir ce que lui a envie de faire. Plutôt ici, si soit avoir ce que lui a envie d'avoir. Même s'il faut lui-même se sacrifier, même lui-même se donner une partie de son corps. Hein, le gars, lui-même, c'est sa tête, quoi. Sa tête même est même fermée comme ça. Et il est dans le cercle. Jean pour dire au diable que lui, il est prêt à donner sa vie pour le diable, même son âme. Voici comment les gens vendent les âmes au diable. Vous pouvez penser que c'est difficile à faire. Mais pour certaines personnes, pour de l'argent, c'est pas difficile. Même si c'est dur. Et ils sont prêts à tout. Et regardez ce que ça donne. Ça, c'est un plein clip. Hein? C'est un clip. C'est le clip. On voit ça. On voit des femmes qui sont là, juste là, des femmes. Qui, voilà. La sorcellerie. En plein jour, quoi. Ça, c'est un vrai rituel. Il n'y a que quand on invoque le démon arrive et qu'il possède une personne, cette personne peut s'envoler comme ça, elle peut être suspendue comme ça. Et il y a un tapis rouge. Et regardez même comme les filles là-même elles sont. Regardez, il y a une parmi elles. Et encore le serpent. Le serpent sur sa tête. Ah! Mon frère, ma soeur, pose-toi de vos questions.
Aimerais-tu qu'on mette un serpent, même sur ta tête, juste, même si c'est pour rigoler, même si c'est pour plaisanter? Est-ce que ça va te plaire? Regardez. On a l'impression qu'elle n'est même pas là. Ça représente un cas de possession démoniaque. Les gens sont possédés. Elle a participé au rituel comme toutes ces femmes qui sont là. Et finalement, elle est possédée, elle à son tour. Le serpent est sur sa tête. Et c'est l'esprit du diable qui domine. Ça, c'est un rituel à ciel ouvert, quoi. Les choses même sont devant vous. Dès que vous voyez un artiste avec des bagues et sur la bague, il y a la tête des morts. C'est le son de satanisme à ciel ouvert. C'est ce qui se passe. Vous voyez un artiste qui chante avec toujours tête de mort sur son vêtement. Ou sur sa ceinture, vous voyez tête de mort par-ci et par-là, ça le suit partout. Ce n'est pas pour rien. Il est entré dans les bails, il est entré dans les trucs. Il doit le faire, il doit le faire. Pour montrer à ces gars qu'il est avec eux. On dit que quand tu es avec le Seigneur Christ, il faut ouvrir ta bouche et il faut confesser, il faut dire à tout le monde que tu es un chrétien. Il faut dire que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, soit tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui, soit tu es avec Dieu ou tu es avec le diable. Ah! Tu dois te confesser, mais eux, ils ne se cachent plus, eux le font vrai et bien. Regardez. C'est même visible. Et ils aimeraient partager leur savoir avec vous. C'est pourquoi ils le font maintenant dans les clips et ils le partagent avec vous. Et ce gars-là, quand il chante, il dit à ses fans, il dit à ceux qui écoutent sa musique, arrêtez, arrêtez maintenant, vous êtes en danger, arrêtez maintenant, vous êtes en danger. Arrêtez de quoi? C'est arrêter de suivre tous ces genres de choses. Les idoles, les rituels, toutes ces choses, mes frères et sœurs, ça peut paraître bizarre pour eux parce que c'est de la blague, mais ça existe. Le diable possède les gens. Et la sorcellerie et la magie devient facile à apprendre. Même à l'école, ça se transmet aujourd'hui. Les gens dansent autour du feu. Au lieu d'aller danser à l'église devant Dieu, mais est-ce que les gens sont en train de faire? Regardez ça. Dans les chambres secrètes avec des bougies. Pour consulter les démons. Les gens cherchent à Dieu, toi tu cherches à consulter les démons. Mais frère, c'est ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de faire, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire. Vous allez penser que c'est de la blague, tout ce que nous sommes en train de vous montrer, vous raconter, vous allez dire, oh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a, il veut nous faire peur, il veut nous faire peur. Il n'y a pas de souci. Mais toi, mais tu vas voir tes preuves, c'est ça. Regarde ça. Le satanisme en plein jour. Quand vous le voyez, cette personne l'a connu. Et les gens sont en train de comprendre. Ils sont en train de découvrir ce qui se passe en secret. Et vous allez voir. Elle va même se confesser ici et raconter certaines choses que nous devons bien savoir. Déjà, on nous dit l'identité de l'ami de Sesta ont été enlevées pour leur sécurité. D'accord? Ça veut dire qu'elle a été filmée dans le secret, c'est-à-dire dans le secret avec une caméra cachée. Et ses amis même qui étaient présents là, eux, ils ont caché leur visage. Et elle nous dit, elle nous explique ce qui s'est passé dans son rituel. Elle nous explique ça. Elle dit, c'est comme je leur ai filmé le rituel afin d'encourager tout le monde, tous les types différents de célébrités. Du genre, si elle dit que si elle a la possibilité de filmer ce qu'elle a vécu dans ce rituel, elle allait le faire pour encourager les gens à y participer. Un rituel, c'est une cérémonie où il y a la présence d'un démon, un ou plusieurs démons. C'est-à-dire que dans cette fête-là, les démons seront présents. Même le diable est présent. Et elle a dit de dire que si elle avait la possibilité de filmer ça, elle aurait partagé à tout le monde. Pour permettre à d'autres personnes de venir participer à cela aussi. Sans doute, elle a aimé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Fais de toutes les nations mes disciples. Les satanistes veulent aussi faire des disciples. Nous devons nous réveiller, nous les chrétiens, et commencer à travailler. Il ne faudrait pas que nous soyons là, c'est moi toujours à parler. Et vous, c'est à vous de vous lever et de commencer à révéler ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Regardez.
Mais il y a cette chose où il est comme beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le rituel, peut-être avec S et M, et il pense il est superficiel. J'aimerais expliquer aux gens comment plutôt où il est. Vous êtes attaché vers le bas parce que vous devez aimer. Serez-vous capable de faire comme si quelque chose vous garderait en bas? Ou comme tu te bats ou tu deviens absolument insensé? On nous dit que c'est ça nous décrit l'horrible performance des rituels des célébrités afin de rejoindre les Illuminati. Elle nous dit que ce n'est pas le même que S et M, torture sexuelle, bien qu'il soit souvent comparé à lui. Là, elle est en train de nous parler de son rituel juste comme ça. On nous dit même ici, on nous dit que pendant le rituel des Illuminati, vous êtes en effet attaché, sodomisé, torturé par les autres membres. Waouh! Vous comprenez ce de quoi il s'agit? Regardez ce qui se passe. Et c'est réel. Ça existe. Et on vous fait passer par là juste pour que vous deveniez star. Juste pour que vous deveniez star. On va vous voir à la télévision, nous on va vous voir à la télévision, vous devez passer par là, tout pareil. Et les gens sont d'accepter. C'est pour vous que nous faisons ça, pour vous dire attention. Plus loin, on nous dit que la douleur est souvent très intense, bien que plusieurs participants quittent à demi-chemin. Ok, donc on nous dit que certains ne supportent pas. Comme on vous l'a dit, certains ne peuvent pas supporter ça. Et ils veulent abandonner. Même ils abandonnent. On nous dit, nous avons aussi entendu comment elle a encouragé d'autres célébrités à participer au rituel et à joindre les Illuminati, ce que les autres membres ont demandé de faire. C'est-à-dire, là, elle est dans un game et on lui demande d'en parler aussi à d'autres célébrités comme elle, afin qu'eux puissent entrer dans le game des ritualistes. C'est là même, nous allons vous dire de faire attention. Toi, tu es là tranquillement, ta crête, ton entreprise, sortie d'évoluer. Dès que ton étoile commence à briller, tu commences à avoir de l'argent, les satanistes s'intéressent à toi. Ils vont venir te proposer d'entrer dans une secte pour te donner plus de protection. Fais attention, c'est un piège. Fais attention, c'est un piège. Fais attention, c'est un piège. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. De telles vidéos, on en voit rarement sur YouTube, sur Internet, un peu partout. C'est pourquoi nous sommes là. Regardez même ça. On nous dit que vous serez capable de guérir une fois que vous serez en mesure. En mesure, vous savez, s'opposer à devenir un accessoire ou quelque chose. Non, on nous dit que cela explique que les objets sataniques utilisés pendant les cérémonies ne sont pas seulement superficiels. Ceux-ci servent à appeler les mauvais esprits et créer un vrai lien entre vous-même et Satan. Et Satan. Et Satan. Et regardez ça. On donne quelque chose à boire, le sang à boire à cette créature de Dieu. Quand tu es une belle créature de Dieu, comme ça, tu es jolie. Tout le monde te voit le matin. Ah, la fille, elle est jolie. Oh, elle est jolie. Oh, regarde ce que tu es en train de faire la nuit. Tu es en train de faire les messes noires. Et tu veux créer des liens avec des mauvais. Regardez, on dit les mauvais esprits.
Mes frères et sœurs, danger, danger, oh danger. Les gens sont d'abandonner Dieu. Même dans la parole de Dieu, on nous dit que l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à qui? À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. On dit plusieurs membres se font aussi à tatouer durant les rituels pour sacrifier plus de sang. Waouh! Pour sacrifier plus de sang à Satan. Et regardez à quoi ça ressemble. Les gens se font tatouer. Mes frères et sœurs, c'est réel. Les gens ne sont pas bêtes, ils sont venus faire des richesses, découvrir les choses. Découvrir les vraies choses. Et on nous montre au grand jour. Waouh! Ça veut dire que devant cette histoire, le sang doit couler. Elle dit, c'est comme les tatous sur moi après le rituel d'avant où j'étais comme j'ai des tatous. Mais ça me qu'elle aime la même la chose. Et après, pendant que tu es, vous pouvez expliquer cela. Cela vient d'une place réelle. Waouh! Certains rituels sont en effet filmés et donnés à d'autres membres supérieurs pour garder. C'est-à-dire que là, on vous filme, vous participez au rituel tout enregistré pour cela, pour vous piéger, pour que vous n'arrivez pas à vous en défaire plus tard. Sinon, ils vont vous dire que vous avez participé au rituel, vous avez fait des trucs bizarres, des trucs noirs. Et que vous n'êtes pas une bonne personne. Ils vont l'utiliser contre vous. On dit que les enregistrements nous révéleront voilà, que ce star-là nous montre à ses amis dans l'une de ses vidéos, lequel est contre les règles. Lequel sont contre les règles, lequel est contre les règles. Bon. On dit, je ne le sais pas. J'ai seulement dit que le film, elle, Angelina, apportera la nuit. Pour pouvoir bien comprendre ça, il faut bien entrer dans les détails. On dit le monde qui aime le côté sombre semblable à la marque. Vous comprenez, mais... C'est bien d'être capable d'aimer voir la sexualité des personnes, mais c'est trop étrange quand vous. J'aime la plupart des photos compromettantes de personnes. Mes frères et sœurs, on nous dit que toutes amies sans caméra maintenant sonnent à l'intérieur et donnent les détails de ce qu'il a vu dans la vidéo. Le contenu peut déranger certains téléspectateurs. Que va-t-il se passer? Mes frères et sœurs, c'était juste pour vous montrer que tout ce que nous sommes en train de vous révéler ici, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vient vraiment dans le football, vous connaissez bien le football, les règles du football, et qui ne savent pas que dans la société, dans le football, il y a aussi la sorcellerie, vous allez comprendre ça et vous comprendre mieux le témoignage puissant précédent. Regardez même ça. Moi, c'est un gars qui essaie de marquer dans le cadre adverse. Il fait tout, ça ne marche pas. Il fait tout, ça ne marche pas. Même la tête, il a monté. Regardez-le bien. Hein. Frapper de la tête, taper le poteau là-bas, traversal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lui-même est étonné, il n'arrive pas à comprendre. Et des choses sont aussi déroulées. Le gardien est là. Et vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Hein? Regardez. Ils essaient de marquer dans le camp, il n'y a rien. Regardez. Et ça continue. Mais venez, je n'étais pas derrière. Pendant qu'ils sont en train de jouer, ce jeune-là va carrément courir et aller dans le camp adverse pour prendre quelque chose derrière le poteau.
Il a vu des gris-gris derrière le poteau du camp adverse. Il a eu le point le gris-gris de ce gardien-là pour venir donner à quelqu'un là-bas. Jean a enlevé le gris-gris. Et regardez comme il a pris le gris-gris. Regardez. Et à cause d'un truc simple comme ça, le petit. On lui a même donné un carton jaune. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Dès qu'il va prendre le gris-gris, ça ne va pas même mettre de temps. Il va réussir à marquer. Il va réussir à marquer. Le même qui a eu carton jaune, c'est le même qui va réussir à marquer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mes frères et sœurs. Ça veut dire que dans ce monde-là, si vous n'avez pas la connaissance de toutes ces choses, vous allez vous fatiguer beaucoup. C'est pour que vous ne vous fatiguez pas. Dieu permet que vous tombiez sur de telles vidéos pour découvrir les choses qui étaient cachées à vos yeux. Afin que vous puissiez comprendre l'origine de vos problèmes. Pourquoi vous êtes bloqué par-ci, pourquoi vous êtes bloqué par-là. Et comment faire pour orienter vos prières pour que ça marche. Pour que ça marche. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Cassilia? Nous tous ici, on veut réussir. Mais voici des choses qui sont là. De telles personnes sont dans notre société et ils se multiplient. Pour pouvoir les vaincre, il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Il faut s'accrocher à Dieu. Sans ça, vous ne pouvez y arriver. Et il faut que Dieu vous donne la force et les yeux spirituels afin que vous puissiez voir, les voir tout ce qu'ils font afin de pouvoir bien renverser les œuvres. Mes frères et sœurs, n'entrez pas dans les rituels, dans les bains noirs. Quel que soit ce que vous allez avoir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine. Les gens meurent tôt. Il y a des trucs bizarres qui se produisent. Des sacrifices humains. Faites attention à votre vie, mes frères et sœurs. Faites attention à votre vie. Et prenez soin de vous. Vous pouvez partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quelqu'un, si on se voit, laisse la page d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Si on se voit, que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous.